Alors, breton ou normand, ce mot? Rapprochons-nous un peu pour voir et faisons un peu d'histoire. En fait, c'est une histoire de va-et-vient. Il y a plus de 1000 ans, sous Charlemagne, il appartenait au diocèse d'Avranches en Eustrie. Et comme Avranches appartenait à la Bretagne, le Mont-Saint-Michel a eu sa période bretonne, mais brève. En effet, dès l'an 1009, l'Avranchin repousse sa frontière jusqu'au Couesnon, ce fleuve côtier qui va marquer pendant des siècles la frontière entre la Normandie et la Bretagne. Mais le Couesnon ne tient pas en place et a tendance à faire son lit tantôt à l'ouest, tantôt à l'est de notre cher mont. De fait, Normands et Bretons se disputent l'appartenance de la merveille. C'est pourquoi la frontière définitive entre les deux régions a été fixée à 4 km à l'ouest du mont. Nous devons donc reconnaître aujourd'hui que le mont Saint-Michel appartient à la Normandie et que cela ne changera pas, n'en déplaise aux Bretons.